Merci, Pasteur Jean-Pierre. Thank you, Pastor Jean-Pierre. Pour commencer encore une fois, rebonjour à vous tous qui êtes chez vous. Hello to everyone watching us by internet. Et aussi bonjour pour ceux que j'ai pas eu le temps de saluer. And hello to those of you who came to serve today. Au fait, c'est beaucoup de choses à gérer aujourd'hui. There are a lot of things to share with you today. Ça fait presque un mois et demi que je fais mon retour à l'église. I've only been back at church since about a month and a half. Donc j'aimerais aussi remercier dans un premier temps tous ceux et celles qui nous ont soutenus dans la prière, ma famille et moi. First of all, I want to thank all of you who supported my family in prayer. Juste rapidement, concernant mon père, on va dire que c'est plus la faim que plus qu'autre chose. Concerning my father, who was ailing in health, we can see that this is closer to the end. Mais nous sommes en paix avec cela. But we are at peace about that. Il a pu faire la prière du salut avec une de mes petites sœurs. He was able to pray the prayer of salvation with one of my little sisters. Et maintenant nous sommes rassurés s'il s'avère que nous savons qu'il partira. And we are now very reassured in our hearts that if he leaves us, he will. Nous savons que c'est un au revoir, mais c'est pas un adieu. We know we'll be saying farewell, goodbye, but not goodbye forever. Donc voilà, encore une fois, merci. Thank you very much for your prayers. It means a lot to me. Avant de rentrer dans la parole, j'aimerais juste partager quelque chose avec vous. I just want to share one thing with you before we look at the Word of God. Pendant de mon temps de méditation, de prière et d'étude, as I was studying and meditating and praying for this time with you, il y a une parole qui m'est venue très fort dans mon cœur. There was a very strong word that came to my heart. Et je l'ai même partagé avec l'équipe des anciens ici au Bon Berger. I shared this word with the elders of our church. Et je me suis dit, je vais le partager avec vous comme introduction pour le message. I'd like to share that with you simply as an introduction to my message today. Mais depuis ce qui est dit ce matin, in addition to what's already been said today, les paroles prophétiques qui ont été données, the prophetic words that were given, ça semble que nous entendons tous le même son du ciel. It really is clear that we're all hearing the same sound from heaven. Et ce que j'ai entendu dans mon cœur, c'est Fils, dis à mon peuple que cette pandémie n'est pas de moi. This is what I heard from heaven. Son, tell my people that this pandemic is not from me. Je ne suis pas en train d'utiliser COVID-19 pour juger le monde. I am not using COVID-19 to judge the earth. Mon fils est venu et s'est sacrifié non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. My son came and sacrificed his life not to judge the world, but to save the world. Mais j'utiliserai cette maladie pour glorifier mon nom. I will, however, use this sickness to glorify my name, says the Lord. Pour montrer que je suis celui qui guérit. And to show the world that I am the one who heals. Alors j'attends que mon église se lève pour être la lumière de ce monde. I am simply waiting for my church to rise up and be the light of the world. Et pour être la lueur d'espoir pour ce monde sans espoir. To be the light of hope for this world without hope. En tout cas, si cela, on va dire qu'il y a eu des soucis pour que vous puissiez recevoir la plénitude de ce qui a été dit. If you had any problem in receiving what's been said, est-ce que je vais demander à Catherine peut-être éventuellement de le mettre sur le Facebook et même l'envoyer en e-news? I'd like to just ask one of our team members to send out that word to you through Facebook and e-news. J'ai une parole très forte pour l'église. Now I have received a very strong message for the church. Et pour moi, c'est une parole non seulement pour l'église du Bon Berger. This word is not just for the Bon Berger Church. Pour moi, c'est une parole pour l'église avec un grand E. For me, it is a message for a church with a capital C. Et je crois de tout mon cœur, comme le pasteur Jean-Pierre vient de le dire, as Pastor Jean-Pierre said earlier, que c'est l'heure que l'église se lève. This is the time for the church to arise. J'étais tellement content hier soir que j'étais à la maison avec mon fils. I was very happy yesterday evening. I was at home with my son. Qu'il était en train de se poser des questions. Who's asking a lot of questions about what's going on? Et j'ai eu le temps d'échanger avec lui, de parler le sens des événements prophétiques dans la Bible. So I had a great time sharing with him about the prophetic significance of everything happening in the world today. Donc, je rends grâce à Dieu. Thank you, Lord, for that time. Vous savez, dans tout ce qui arrive dans notre vie, il y a un sens. There is always a meaning to what happens in our lives. Bien que nous n'avons pas la réponse maintenant,
even if we don't understand everything, if we don't have the answers immediately, ça ne veut pas dire que cela n'a pas un sens. It doesn't mean that there's no meaning behind what's happening. Et maintenant, nous allons rentrer dans le message. So we're going to jump into the Word of God. Je vais vous donner quelques écritures, vous pouvez l'écrire et ensuite je vais vous le lire. I'm going to share some Bible verses with you. I encourage you to write down the reference and then we'll read them together. Première citation, ce sera dans 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 13. First thing we're going to look at is in 2 Corinthians chapter 4, verse 13. Et deuxièmement, nous allons regarder 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 7. After that, we will look at 2 Timothy chapter 1, verse 7. Ensuite, nous allons lire Hébreux, le chapitre 11, le verset 1. After that, Hebrews 11 and verse 1. Keep writing down the references. Et ensuite, nous allons lire Matthieu, le chapitre 8, le verset 13. After that, Matthew 8 and verse 13. Et ensuite, nous allons lire Job, le chapitre 3, le verset 25. The next verse, Job 3, 25. Je pense que depuis que vous me connaissez, vous savez que j'aime bien la parole de Dieu. Any of you who know me well know that I love the Word of God. Et vous allez voir comment tous ces versets vont se combiner pour écouter ce que Dieu a à nous dire. And you're going to see how all of these verses come together to reveal to us what God wants to say to us. Premièrement, 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 13. 2 Corinthians 4, verse 13. Oh, ayant la même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi aussi nous parlons. Since we have the same spirit of faith according to what has been written, I believed and so I spoke, we also believe and so also we speak. Ce que j'aimerais attirer votre attention, this is what I'd like to underline. C'est que la Bible mentionne la foi comme un esprit. The Bible talks about faith as a spirit of faith. 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 7. Now let's look at 2 Timothy 1, verse 7. Et nous allons lire, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de conseil. God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and a sound mind. C'est que j'aimerais attirer votre attention encore une fois concernant ce verset. So another thing I want to underline in this verse. C'est que la Bible mentionne la peur comme un esprit. The Bible talks about fear as a spirit. Donc Hébreux le chapitre 11, le verset 1. Now let's look at Hebrews chapter 11, verse 1. Or la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Now, faith is the assurance of things hoped for and the conviction of things not seen. Matthieu le chapitre 8, le verset 13. Let's go from there to Matthew chapter 8, verse 13. Et Jésus dit au centurion, va et qu'il te soit fait comme tu as cru, et à cette heure-là, son serviteur fut guéri. Jesus said to the centurion, go, let it be done for you as you have believed. And the servant was healed at that very moment. Jusque-là, nous avons vu que la foi est un esprit. So, we've seen that faith is a spirit. Nous avons vu que la peur est un esprit. We've seen that fear is a spirit. Ici, ce verset, Matthieu 8, 13, nous dit qu'au moment que le centurion a cru dans son cœur, son fils fut guéri. And in this last verse, we've seen that the minute the centurion believed in his heart, his son was healed. His servant was healed. Et ce qui veut dire que là, nous voyons les... Comment pourrais-je dire ça, Seigneur? Nous voyons les résultats de l'esprit de la foi. In other words, we are seeing in God's word the results of the spirit of faith that has been activated. Et nous allons lire Job, le chapitre 3, le verset 25. Now compare this to Job, chapter 3, verse 25. Quand j'ai eu crainte et elle est venue sur moi, ce que j'appréhendais m'est arrivé. For the very thing that I fear comes upon me and what I dread befalls me. Est-ce que vous avez remarqué ce qui s'est passé dans ces quatre versets que nous venons tout juste de lire? Did you see the connection between those four verses we just read? La peur est un esprit. Fear is a spirit. La foi aussi est un esprit. But faith is also a spirit. Mais dans ces deux versets, nous voyons que cela peut impacter notre vie. So these spirits impact our lives one way or another. Je les appelle les deux forces spirituelles. I call them two spiritual forces. Qui opèrent dans la vie de chaque enfant de Dieu. That are operating in every single child of God. La force de la foi. The force or the strength of faith. C'est que la foi est une force spirituelle.
is the fact that faith is actually a spiritual force. La puissance créatrice de Dieu. And the creative power of God. C'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles que l'on ne voit pas avec les yeux physiques. Because faith is the firm assurance of things hoped for and the conviction of things we don't yet see with our physical eyes. La peur aussi est une force. In the same way, fear is a force. La peur aussi est une force spirituelle. A spiritual force. Néanmoins, la puissance destructive de Satan. It is used as Satan's destructive power in our lives. C'est une ferme assurance des choses qu'on n'espère pas. So in other words, it is the firm assurance of the things we don't hope for. Une démonstration de ce qu'on appréhende. And a demonstration of the very things that we are afraid of or that we are apprehending. Bien-aimés, l'heure à laquelle nous vivons actuellement. In this day and age, brothers and sisters. C'est le moment que l'église se lève. It is a time for the church to arise. C'est le moment de ne plus tolérer la peur dans notre vie. It is time to no longer tolerate fear in our lives. C'est le moment de se lever avec un esprit de foi que Dieu nous a donné. It is time to rise up with that spirit of faith that God has given us. Pour contredire to resist toutes ces mauvaises nouvelles and overturn all the bad news we've been hearing. Et faire en sorte que nous puissions changer cette situation. And allow the power of God to change the situation that is surrounding us. Je crois de tout mon cœur qu'aujourd'hui, l'Église est la solution de ce problème que nous faisons face. I believe with all my heart that in our day and age, it is the church that is the solution to everything that we are confronting in this world. C'est pas le moment de capituler. It's not the time to surrender. C'est pas le moment de paniquer. It's not time to panic. C'est le moment de vous lever. It is time to rise up. Et de lever vos yeux, de regarder au ciel. To look at heaven. Et d'attendre que votre aide puisse venir du ciel. And expect help from heaven to come. Parce que Dieu est capable de faire au-delà de ce que vous et moi nous pouvons penser, prier et croire. Because our God is infinitely more able to do above and beyond all that we can ask or think or pray for. Mais vous savez, pour qu'un Dieu invisible puisse sortir de l'invisible pour rentrer dans le visible. But the only way that God can come out of the invisible realm and manifest himself in the visible realm. Il a besoin d'un visible. He needs to be visible to the world, right? Laissez-moi vous dire, je vais le refaire cette phrase. C'est quelque chose de très puissant que je suis en train de vous dire. Pour que le Dieu d'invisible puisse sortir de l'invisible, puisse entrer dans le visible. In order for the invisible God to come into this visible dimension. Il a besoin d'un visible. He needs something visible. C'est qui veut dire que Dieu a besoin de vous et moi. In other words, he needs you and I. Dieu n'a aucun droit. Écoutez, je vais vous dire certaines vérités spirituelles peut-être que vous n'avez jamais entendues. This is probably a spiritual truth that you've never heard before. Dieu n'a pas l'autorité pour agir sur la terre s'il n'a pas un corps. God cannot even exercise his authority on the earth without a body. C'est la raison pour laquelle Jésus a dû prendre la forme d'un corps humain pour pouvoir agir. That is why Jesus himself took upon himself the form of a human body for the Father to be able to move. C'est la raison pour laquelle que Dieu nous appelle le corps de Christ. That's why the Bible calls us the body of Christ. Il est la tête. Christ. He's at the head. Et nous sommes le corps. We are the body. Et Dieu a besoin de vous. And God needs you. C'est l'heure de vous lever. It is time to rise up. C'est pas le moment de paniquer. It's not time to panic. C'est pas le moment d'avoir peur. It's not time to be afraid. Je vais aller doucement parce que je sais que je donne des fois du mal à Pasteur Catherine d'interpréter et c'est pas je sais qu'elle fait de son mieux. Pour moi, c'est une des meilleures traductrices. Catherine is trying very hard. C'est parce que elle n'a pas traduit ce que j'ai dit. La peur est le précurseur de la calamité. Fear is the forerunner of calamity. Elle est le créateur des mauvaises choses. Fear is the creator of everything negative. C'est une attitude qui amène l'être humain à la captivité, à la confusion, à la frustration, au conflit intérieur et à la tension. Fear brings the human being into captivity, into confusion, into frustration, internal conflicts and tension. Contrairement la foi. However, faith.
La foi est le précurseur de la bénédiction. Faith is the forerunner of blessing. Elle est le créateur des bonnes choses. Faith is the creator of everything that is good. C'est une attitude qui amène l'être humain à la liberté, à la paix, à la satisfaction, à la sérénité intérieure et à la détente. Faith is what brings the human being into liberty, peace, satisfaction, serenity on the inside and relaxation. Vous savez, les psychologues disent que l'homme ne naît pas avec la peur. You know, even psychologists have proven that human beings are not born with fear. Écoutez, là c'est la science qui nous dit ça. This is science telling us the same thing. Que l'être humain n'est pas né avec la peur. Human beings are not born with fear. Alors je me suis posé la question, si l'être humain n'est pas né avec celle-ci, d'où vient-elle? So I asked myself, if human beings aren't born with fear, where does it come from? Amen. Logical la Bible question. Dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité ou un esprit de peur. We just read that God has not given us a spirit of fear. Si nous ne sommes pas nés avec la peur, so if we're not born with fear, et que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, if God hasn't given us a spirit of fear either, Jésus a dit que comme tu as cru qu'il te soit ainsi pour toi, Jesus is the one that said, as you have believed, so let it be. Ce qui veut dire que vous et moi, nous sommes influencés par notre croyance. Which means that you and I are influenced by what we believe. Nous avons foi quand nous croyons bien. We have faith if we believe the right thing. Nous avons peur quand nous croyons mal. But we have fear when we believe the wrong thing. Job nous dit ce qu'il craignait, il lui est arrivé. Even Job wrote, what I feared came upon me. Écoutez bien, il a expérimenté ce qu'il croyait lui arriver. He experienced the thing that he feared. It came upon Je vais refaire la phrase. Il a expérimenté ce que lui, il croyait allait lui arriver. In other words, he actually experienced what he believed would happen to him. Il ne pouvait pas échapper au résultat de sa propre peur. He could not escape the result or the fruit of his own fears. La peur active est créée par une fausse croyance active. Fear is created by false beliefs. La question se pose, comment Job a-t-il cru mal? Qu'a-t-il grandement craint? So how is it that Job believed the wrong thing and this thing came upon him? La réponse. This is the answer. Il craignait que la haie de protection autour de lui serait détruite et que ses biens seraient pris de lui. He believed that the hedge of protection around him would be destroyed and that his possessions would be taken. Il a cru que les bonnes choses qu'un bon Dieu lui avait bénies ne dureraient pas. He believed that all the good things that a good God gave him would no longer last. Il a cru que quelque chose allait lui nuire à son bonheur. He believed that something would come and disturb his happiness. Remarquez bien, il n'a pas dit que le diable lui a forcé. Notice what the Bible says. He didn't say that the devil forced him. La Bible dit que c'est lui qui a cru. The Bible says that it was Job who believed. Ce qui veut dire que vous et moi, nous avons le choix. In other words, you and I, we have a choice. Oui, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Especially in light of everything going on in the world. Nous today. Avons le choix d'avoir peur. We choose either to have fear, ou nous choisissons de croire, or else to believe. Ni Dieu, ni le diable ne peut choisir pour vous. God, nor the devil can make the choice in your place. C'est vous qui faites le choix. It is up to you to make the choice. Ce que Job craignait, c'est cela il pensait, et il a tellement pensé à cela, il a commencé à croire cela, et comme il a commencé à croire cela, cela a commencé à se produire dans sa vie. So Job thought so much about all of these negative things that he began to believe them, and once he started to believe them, he actually experienced those things. Il est devenu négatif dans sa pensée et dans sa croyance. He became negative in his thinking and in his beliefs. N'oubliez pas, vos pensées dictent votre
conviction. Don't forget, it is your thinking that determines your convictions. C'est votre pensée qui détermine votre philosophie. Your thinking determines your philosophy of life. Alors la question se pose, qui est en train d'influencer vos pensées? So here's my question to you. What is influencing your way of thinking? Trois choses que j'ai découvert. I discovered three things. Que notre corps, le corps humain ne peut pas supporter l'angoisse, le stress et l'inquiétude. The physical body cannot endure stress and anxiety. Néanmoins, si nous tolérons ces choses-là nous rendent malades. If we tolerate those things in our lives, they can make us ill. Et j'ai découvert que ce sont ces trois choses qui est née de la peur. It is those three things, anxiety and stress and anguish, that come from fear. Et maintenant, la question se pose, d'où vient-elle cette peur? So, what is the source of this fear? Donc je vais vous donner trois citations, écrivez-le et je vais vous le lire. Premièrement, excusez-moi. Go ahead. I'm going to give you three references, please write them down, then we'll read them all together. Genèse 2, le verset 15 à 17. The first one is found in Genesis chapter 2, verses 15 to 17. Deuxièmement, Genèse le chapitre 3, le verset 10. Then we're going to read Genesis chapter 3, verse 10. Et troisièmement, Hébreux le chapitre 2, le verset 14 à 15. And then we're going to read Hebrews chapter 2, verses 14 to 15. Et premièrement, nous allons lire dans Genèse 2, versets 15 à 17. So, first of all, Genesis 2, 15 to 17. Et l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour garder. Et l'Éternel commanda à l'homme, disant, tu mangeras librement de tout arbre du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car au jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. The Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and to keep it. And the Lord God commanded the man, saying, you may surely eat of every tree in the garden, but of the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat. For in that day that you shall eat of it, you shall surely die. Et là, nous voyons que le mot mort est mentionné. That's the first time the word death appeared. Et le Genèse, le chapitre 3, le verset 10. Now in Genesis 3, 10. Vous savez, et souvent quand je prêche, je vous dis qu'il y a une loi qui a été établi pour interpréter les versets bibliques. I've often said this in my preaching. There are some certain laws given to us to interpret the Bible. Une des lois que j'aime bien, c'est la loi de la première mention. And one of these laws is called the law of the first mention. Ce qui veut dire que la première fois que vous voyez un mot, in other words, the first time you see a word in Scripture, qui est mentionné pour la première fois, if it's written there for the very first time, c'est ce verset qui va déterminer la règle de l'interprétation. That verse will determine how to interpret the word throughout the rest of Scripture. Et nous sommes sur le point de lire la première fois que le mot peur est mentionné. So now we're going to read the very first time the word fear or afraid is mentioned in the Bible. Et ils entendirent la voix de l'Éternel qui se promenait dans le jardin au frais du jour, et l'homme et sa femme se cachèrent de devant l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin, et l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu et je me suis caché. Genesis 3, verse 8 through 10. Then the man and his wife heard the sound of the Lord as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord among the trees of the garden. But the Lord called to them and said, where are you? The man answered, I heard you in the garden, and I was afraid, because I was naked, so I hid. N'est-ce pas surprenant? Isn't that surprising? Que la première fois que Adam a entendu la voix de Dieu, il n'a pas eu peur. The first time Adam heard God's voice, he wasn't afraid. Néanmoins, après la chute de l'homme et la femme, however, once Adam had sinned with his le wife, moment qu'il entendit la voix de Dieu, il eut peur. The very moment he heard God's voice again, he was afraid. Suivez-moi. So follow me. Hébreux le chapitre 2, le verset 14 à 15. Let's look at Hebrews chapter 2, verses 14 to 15. Puisque donc que les enfants ont eu part au sang et à la chair, lui aussi semblant y a participé, afin que pour la mort il rendît impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient pendant toute leur vie assujettis à la servitude. Since therefore the children share in the flesh and blood, he himself likewise partook of the same things, that through death he might destroy the one who has the power of death, that is the devil, and deliver all those who through fear of death were subject to lifelong slavery. Oh, j'aurais tant aimé m'asseoir avec vous pour ces trois versets. Wow, I could sit down with you for hours just talking about these three verses. Donc,
pour une question de temps, je vais abréger. Je vais vous donner deux choses. But I'll summarize it with two points. La peur tire son origine du péché. Fear gets is has as its origin sin. Et la peur tire sa racine de la peur de la mort. And fear has its roots in the fear of death. Écoutez bien. Listen to this. Je vous ai dit que son origine provient du péché. We said fear comes from sin. Et sa racine est la peur de la mort. And its roots are in the fear of death. Nous savons que Jésus est venu solutionner le problème du péché. However, we know that Jesus came to solve the problem of sin. Mais. But here's the thing. Si vous tolérez la peur de la mort, la peur aura l'emprise sur vous. If you tolerate in your own soul the fear of death, that fear will make you its captive. Vous savez, avec tout ce qui se passe en ce moment, même en discutant, même avec mon fils, en l'occurrence, hier, je lui disais. Especially with everything going around, as I shared with my son last night. Je disais, écoute, j'ai pas peur de mourir. I said to my son, listen, I'm not afraid to die. Si je pars, je sais où je vais. If I die, I know where I'm going. Bien sûr, j'ai pas encore fini ma mission. But I haven't finished my mission yet. Je vais rester un peu plus longtemps. So I think I'm going to stay a little bit longer. Désolé pour ceux qui attendaient cette bonne nouvelle. And I know many of you are happy about that. En parlant de l'ennemi, bien sûr. And I know the enemy's not happy about that. Mais dites-vous bien que si vous ne solutionnez pas le problème de la peur de la mort dans votre cœur, la mort aura l'emprise sur vous. Realize this. If you do not deal with the problem of the fear of death in your heart, death will have power over you. D'où la raison, vous et moi, nous ne devrions pas tolérer la peur dans notre vie. This is why you and I, we cannot afford to tolerate any trace of fear in our lives. Vous savez, plusieurs fois j'ai mentionné, même j'ai enseigné pas ici, d'autre part, j'ai enseigné que le mot peur est mentionné à peu près 365 fois dans la Bible. I discovered that the word fear appears about 305 times in the Bible. Mais quand j'ai fait une recherche, vraiment, il n'y a pas vraiment... Maintenant, je mets une pause dessus, mais il y a au moins au-dessus d'une centaine de fois que le mot « ne crains pas » est mentionné dans la Bible. And more than 200 times, the Bible says « do not fear » or « do not be afraid ». Vous savez bien, quand quelque chose est dit une fois dans la Bible, c'est important. Quand c'est dit deux fois, on doit encore plus attirer notre attention. Mais au-delà d'une centaine de fois, je pense que Dieu essaie de nous dire quelque chose. Now, we all know that if something is in the Bible one time, it's important. If it's in the Bible two times, it's doubly important. But imagine this, if it's in the Bible over 100 times, how important is that to the Lord? Allons dans le livre de Matthieu. Let's jump into the book of Matthew. Si vous prenez des notes, écrivez Matthieu, le chapitre 14, le verset 22 à 32. If you're taking notes, this is the reference to write down before we read the scriptures together. Et c'est la fameuse histoire où Jésus était en plein essor dans son ministère. Dieu était en train de l'utiliser puissamment. This is a story we all know, Matthew 14, 22 to 32. Fameuse histoire où nous voyons que l'apôtre Pierre est sur le point de faire quelque chose que jamais un être humain a pu faire. This is the time when the apostle Peter was about to do something that no other human being had ever done. Mais en lisant ces versets, il y a certaines choses que nous allons pouvoir découvrir. As we read this passage, we're going to discover some important keys. Il dit le verset 22, le Matthieu 14. Verse 22 of Matthew 14. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Et quand il renvoyait la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir est venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots quand le vent était contraire. Et à la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et c'est dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens, Pierre, sortit de la barque et marcha sur les eaux, pour aller vers Jésus. » Le verset 30, « Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Le verset 31, « Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent... C'est ça.
Immediately he made the disciples get into the boat and go before him to the other side of the lake while he dismissed the crowds. And after he had dismissed them, he went up on the mountain by himself to pray. When evening came, he was there alone. But the boat by this time was a long way from the land, beaten down by the waves, for the wind was very strong against them. In the fourth watch of the night, Jesus came to them walking on the water. But when the disciples saw him walking on the sea, they were terrified, and they said, "Oh no, it's a ghost!" And they cried out in fear. But immediately Jesus spoke to them, saying, "Take heart, it is I. Do not be afraid." Now Peter answered him, saying, "Lord, if that is you, command me to come to you on the water." And Jesus said, "Come." So Peter got out of the boat and walked on the water and came to Jesus. Verse 30. But when he saw the wind, he was afraid. He was beginning to sink, and he cried out, "Lord, save me." Jesus immediately reached out his hand and took a hold of him, saying, "Oh, you of little faith, why did you doubt?" And when they got into the boat, the wind ceased. Ici, dans ces quelques versets que nous venons tout juste de lire, nous voyons ces deux esprits en opération. We see these two spirits in operation in the passage we just read together. Ce qui est intéressant, que beaucoup de fois les gens enseignent sur ce verset, ils disent que Pierre a marché sur l'eau. A lot of times when you hear preaching about this verse, everybody emphasizes the fact that Peter was walking on the water. Mais pour de vrai de vrai. But to tell you the truth. Pierre n'a pas marché sur l'eau. Peter didn't walk on water. Il a marché sur la parole de Jésus. He walked on the word of Jesus. Puisqu'il a marché sur la parole de Jésus, c'est ce qui lui a donné la capacité de marcher sur l'eau. It's because he walked on the word of Jesus that he had the ability to walk on water. Vous voyez, quand vous et moi nous accrochons notre vie, nous bâtissons notre vie sur la parole de Dieu. When you and I build our lives on the word of God. Ça va nous donner la capacité de marcher sur le naturel. It gives us the ability to walk in a dimension that is supernatural. C'est pour ça le sueur de Dieu qui vient sur notre naturel qui nous donne une vie surnaturelle. So in other words, we can say that the super of God comes onto the natural life and makes it supernatural. Mais je me suis dit, si l'apôtre Pierre a été influencé par la peur, combien à plus forte raison que vous et moi, nous devrions faire attention de ne pas nous laisser envahir par la peur. So if we can see in this passage that the apostle Peter was influenced by fear, how much more do you and I need to be very careful to not be influenced by that same spirit of fear? Parce qu'il a bien commencé. He started out right. He N'est-ce started pas? Out well, right? Il a bien commencé. Il a commencé à marcher sur l'eau. He came out of the boat. He started walking on the water. Je veux dire, je ne l'ai jamais fait. I've never done that myself. Vous ne l'avez jamais fait. I don't think any of you have done it by Alors, yourselves. Alors, nous ne pouvons pas le critiquer. So we can't criticize Peter for trying. Mais néanmoins, ce qui s'est passé, c'est que aussi longtemps que son attention était sur la parole de Jésus, il pouvait marcher sur l'eau. Here's what happened. As long as his eyes were fixed on Jesus and the word of Jesus, he could walk on the water. Le moment qu'il a enlevé son attention, il l'a mis sur le vent, il a commencé à avoir peur. But the minute he removed his eyes from Jesus and started looking at the wind and the waves, that's when he was afraid. Ce qui me montre encore une fois que vous et moi, nous avons le choix. So again, we see you and I, we have a choice. Soit nous permettons à tout ce qui se passe autour de moi, ces nouvelles que nous entendons aux infos, de nous injecter la peur. We will allow the circumstances and the things we hear on the news to inject fear into us. Soit nous nous accrochons à notre Dieu et nous laissons la foi s'élever dans notre cœur. Or else we keep our eyes fixed on Jesus and we hang on to him and we allow faith to arise in our hearts. Est-ce que vous n'êtes pas surpris de voir que au moment où tout s'est passé, le vent, la Bible dit, regardez ce qu'il dit. Il dit, et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Do you remember the very last part we read? When they got into the boat together, the wind stopped. Et je me suis posé cette question. So I asked myself this question. Est-ce que Jésus ne savait pas qu'il allait avoir une tempête? Didn't Jesus know that there was going to be a storm on the sea? C'est pour ça le verset 22 est très important. That's why verse 22 is very important. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. It was Jesus who said immediately to the disciples, get into the boat and go to the other side of the lake. C'est que Jésus avait déjà décidé la détermination de la destination. Jesus had already decided the destination for those disciples.
si les disciples seraient accrochés à ce que Jésus avait dit à la base, no, if only the disciples had hung on to what Jesus said at the very beginning, ils auraient traversé la tempête. They would have been able to cross through, reach the other side through the storm. Puisqu'ils ont laissé la peur les envahir, however, because they allowed fear to invade, Jésus devait intervenir. Jesus had to come and act. Il savait bel et bien que la peur va vous tuer. He knows that fear can kill us. Parce que c'est la peur de la mort, n'oubliez pas, qui donne le pouvoir à la peur. Don't forget, it is the fear of death that gives power to death. Et ici, les disciples, ils avaient peur de mourir. And here, we see that the disciples were afraid of dying. Et là, la peur a pris le dessus sur eux. And that's how faith invaded their hearts. C'est la raison pour laquelle, n'est-ce fear, pas surprenant, fear. Jésus dit, ici je suis, et Pierre dit, ici c'est toi. Je veux dire, il vient de dire le mec qui je suis là. Qu'est-ce que tu veux savoir encore? Il est là. It was really surprising. They even doubted it when Jesus came up and said, "It is I," and they didn't know it was him. Je vais vous dire, quand vous êtes dans la peur, vous faites des trucs bizarres. When you are in fear, you will always do very strange things. C'est tout ce things. Que je dirai dessus. That's all I'm going to say about those guys. C'est pour cela, bien-aimés, vous et moi, nous devons nous accrocher à notre Dieu. That is why we need to hang on to the Lord our God. Accrocher à ses promesses. Hang on to the promises of God. Et de tenir fermement. And stand firm. Lisez ces versets chez vous. Reread these verses at home this pendant week. Votre temps de prière. When you have your prayer time with the Lord. Jésus avait ordonné qu'ils aillent de l'autre côté. It was Jesus who ordered the disciples to go to the other side. Jésus savait bel et bien qu'il allait avoir une tempête. Jesus knew very well that there was going to be a storm. Mais il est en train de le tester de leur foi. Sur lui. But he was testing their faith in him. C'est la raison pour laquelle que vous et moi ne devons laisser aucune situation, aucune circonstance déterminer notre foi en Dieu. That is why we cannot afford to allow any situation or any circumstance to determine our level of faith in God. La peur n'est rien d'autre que la foi inversée. We could say that faith is nothing, no, fear is nothing but faith turned upside down. Tolérer la peur, c'est contaminer la foi. If we tolerate fear, we contaminate our faith. Tolérer la peur, c'est polluer la foi. If we tolerate fear, we are polluting our faith. Tolérer la peur, c'est rendre la foi inactive. If we tolerate fear, we render our faith inactive. Tolérer la peur veut dire paralyser la foi. Tolerating fear means we are paralyzing faith. Mais néanmoins, la Bible nous dit que Dieu nous invite à vivre, à marcher, à prier et à agir par la foi. But we see that the Bible invites us to walk by faith, to pray by faith, to act by faith. Contrairement à la peur, notre foi a un fondement. And contrary to fear, our faith has a solid foundation. Romains 10, 17 dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romans 10:17 says that faith comes by hearing and hearing by the word of God. Ma question c'est quelle parole es-tu en train d'écouter en ce moment même? My question to you today is this, what words are you hearing today? Je suis pas en train de dire que nous devons faire comme si rien ne se passe autour de nous. I'm not saying we should make believe like nothing is happening in the world. Je suis pas en train de dire que nous devons éteindre nos télé, nos radios et ainsi de suite. I'm not saying don't listen to the news anymore. Mais ce que je suis en train de dire, ne laisse pas ces informations que tu écoutes à la télé, que tu écoutes à la radio, influencer ta foi. But I am saying whatever news you listen to on the radio or on the TV, do not let it influence your faith. Tout comme la foi vient de ce qu'on entend provient de la vérité de Dieu. In the same way that faith comes by hearing and hearing comes from the truth of God. Ainsi la peur vient de ce qu'on entend provient des mensonges du diable. And fear comes from hearing and hearing what the devil has been saying. Romains 4, 17 dit que la foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. The last part of Romans 4, chapter 17 says this. Faith calls the things into being that did not exist. Vous savez, beaucoup de fois les chrétiens disent, oh, vous voyez un chrétien qui est malade, vous lui demandez s'il est malade, il dit, non, je ne suis pas malade. I've met Christians. I ask them, "Are you not feeling well? Are you sick?" And he says, "No, I'm not sick." C'est pas ce que ce verset dit. But that's not what this verse says. La Bible dit, ce verset dit, la foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient.
This verse says that faith calls into being or into existence the things that don't exist yet. La Bible ne dit pas nier les choses qui existent comme si elles n'étaient pas. The Bible says, does not say to deny the things that exist as though they didn't exist. Alors comment agir dans ce moment-là? So what are we supposed to do at this time of crisis? Quand quelqu'un me dit, Sam, es-tu malade? When somebody asks me the question, Sam, are you sick? Je dis, attends, je vais te répondre. I say, wait a minute, I'm going to give you my answer. Mon corps est malade. My body might be sick. Mais je suis guéri par les maîtrisseurs de Jésus. I have been healed by the stripes of Jesus Christ. J'ai dit mon corps est malade. My body wants to make me believe mais that je I'm suis sick. Guéri. But I am healed. Le je suis the I am qui est la réalité. Is my reality. Mon corps but my body peut me dire que ça fait mal. Might try to tell me that mais I'm la vérité pain, dit que je suis but my truth says that I am guéri par les maîtrisseurs de Jésus. Healed by the stripes of Jesus. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Do you see the difference? Je suis un être esprit, j'ai une âme et je vis dans un corps. I am a spirit, I have a soul, and I live in a body. Le vrai moi, c'est pas le corps. So in other words, the real me is not my body. Le corps, c'est juste l'emballage. This is just a wrapping. Le vrai moi, c'est à l'intérieur. The real me is the person on the mon inside. Mon être esprit. My spirit. Là où réside le Saint-Esprit. That's where the Holy Spirit là où lives. Réside la puissance that's de Dieu. Where the power of là God où réside lives. La puissance créatrice de that's Dieu. Where the creative power of God lives. Alors bien que mon corps peut être impacté par quelque chose, so even if my body is impacted by something, je choisis de déclarer ce que je suis en Dieu. I choose to declare who I am, what I am in Christ. Bien que j'ai mal, even if I have pain, je sais que je suis guéri. I know that I have been healed. Bien que je me sens pas bien, even when I don't feel all that je well, sais que je suis guéri. I know that I am healed. Si dès que tu vois le premier symptôme, tu commences à dire, je ne sais pas ce que j'ai. However, j'ai chaud, je suis pas bien. If when you start to see these symptoms and you start to panic and you go, oh no, I have a fever, I'm not doing well. C'est que tu es en train de faire, tu es en train d'ouvrir la porte grande ouverte pour cet esprit de peur de prendre possession de toi. That's when you're opening that door for the spirit of fear to come in. C'est la raison pour laquelle ta première réaction de dire stop. That's why our first reaction should be stop right there. Oui, mon corps peut avoir mal. Yeah, maybe my mais je crois body hurts, en la parole de Dieu. But I believe the word of God. Les maîtrisseurs de Jésus by m'a the stripes guéri. Of Jesus, I am healed. Alors je déclare ma guérison. So I declare my healing. Je déclare ma guérison. I declare my healing. Bien-aimé, il y a tellement de choses à vous dire, je vais vous laisser avec ça. There are so many things to say, but I want to leave you with this. Si vous-même, en tant que peuple de Dieu, vous êtes en train de paniquer, comment voulez-vous aider ce monde que eux, ils n'ont pas d'espoir? If the people of God begin to panic, how do you expect the church to be able to help the people in the world? Alors vous devriez vous lever. So it is time to rise up. Lève avec cet esprit de foi. Rise up in the spirit of faith. Prendre la parole de Dieu. Take the word of God. Déclarer la parole de Dieu. Declare it out loud. Priez la parole de and Dieu. And pray the word of God. Sur vous. Over yourself. Sur votre famille. Over your family. Vous savez, la première fois que ces choses-là ont commencé à prendre de l'ampleur. You know, the first time that I saw things were going to get bigger and more serious. Ce que j'ai fait, j'ai rassemblé toute ma famille dans le salon. I decided to have my entire family gather together in the living room. J'ai ouvert ma Bible au psaume 91. And I opened my Bible to the Psalm 91. Et j'ai décrété le psaume 91 sur ma maison. I declared Psalm 91 over my household. Oui, je ne vais pas laisser ce que j'entends, ce que je vois m'affecter. Je vais laisser la parole de Dieu m'affecter. I'm not going to let the circumstances around me affect me. I'm going to let the word of God affect me. Je vais dire non à cet esprit de peur. And I will say no to that spirit je of fear. Je vais dire oui à cet esprit de foi. And I will say yes to the spirit of je faith. Je vais dire oui à la parole de Dieu. I'll say yes to the word of God. Je vais dire oui aux promesses de I'll Dieu. I'll say yes to the promise of alors God. Alors je vais me lever. And that's how I rise up. Et Dieu va pouvoir m'utiliser. And that's how God can use me. Quand je vais marcher, je vais pas marcher comme ça avoir I'm peur. I'm not going to walk around hunched over with fear. Je sais quand je marche que je demeure sous l'abri du Très-Haut. Et que je repose à l'ombre du Tout-Puissant. That when I walk, I am dwelling in the shelter of the Most High and resting in the shadow of the Almighty God. Je sais que les anges de Dieu campent autour de moi. I know that the angels of God are camping around me. Les virus vont venir, ils vont voir le choc de leur vie parce que j'ai un bouclier autour de moi. And any virus that tries to come near me will have the shock of its life because parce que j'ai confiance en mon Dieu. I trust the word je of my God. Je sais que mon Dieu ne m'abandonnera pas. My God will never abandon je sais me. Que mon Dieu ne me délaissera pas. My God will never forsake je me. Sais quand je mets ma confiance en lui, il me
décevra pas. I know that when I trust him, he will never disappoint me. C'est la raison pour laquelle je veux chanter, danser, célébrer son nom. And that's the reason for which I will sing and dance and celebrate his name. Parce qu'au nom de Jésus, COVID-19 doit plier les genoux. Because in the name of Jesus, every knee will bow. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom. Because the name of Jesus is above every other oh, name. Oh, le nom de Jésus, tout genou doit fléchir. At the name of Jesus, every knee shall bow. Oh, le nom de Jésus, toute langue doit confesser. At the name of Jesus, every tongue will confess that he alone is Lord. Et je déclare sur la France. And I declare je déclare sur la terre entière over the que earth. Jésus-Christ est Seigneur. Jesus Christ is Lord. Jésus-Christ a proclamé Jesus la victoire. Christ has declared et je the victory. Déclare la victoire sur and toi. I decree his victory on et you. Ta maison. Over you and your sur household. Ta famille. Over your family. Qu'ils soient sauvés ou pas. Saved or not saved. Alors profite ces moments-là. So take advantage of this partage moment. Partage l'évangile avec and eux. Share the gospel with your dis-leur family. Dis-leur comment ton Dieu est bon. And tell those dis-leur members of your family how Dieu God is good. Ce que ton Dieu est capable and what de faire. He is able to do for il everyone. M'a sauvé. He saves. Il m'a secouri. He's il m'a guéri. Healed. Il est le libérateur. He is my deliverer. Et je déclare que Jésus-Christ est le libérateur de COVID-19 dans le nom de and Jésus. And I declare that Jesus Christ is delivering this nation from COVID-19. Je ne sais pas pour toi. I don't know about you. J'ai confiance en mon Dieu. But I trust my God. Je mets ma confiance en mon I Dieu. Have placed my trust je ne m'inquiète in pas God. Pour ma femme. I'm not je ne m'inquiète pas pour mes enfants. For my je ne m'inquiète pas pour wife, my children, les membres de ma famille. Family, je sais qu'ils sont couverts. I know that they are covered. Je sais qu'ils sont couverts. I know they are covered. Je sais qu'ils sont couverts. I know that they are covered. Je vais vous donner une confession que j'ai faite. We're going to close with a confession that I created for us to say out loud together. Une confession qui est basée sur le 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 7 et le psaume 91. And this confession is based on 2 Timothy chapter 1, verse 7 and Psalm 91. En tout cas, merci, Pasteur Catherine. Thank you, Pastor Catherine. Je sais que des fois, on ne peut pas m'attacher, je pars. En accord avec 2 Timothée 1, 7, je déclare que je n'ai pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et de conseil. Est-ce qu'on se lève pour le proclamer ensemble? Oui, allez-y. On va se lever, merci. Je l'ai en... Ah oui, je l'ai ici, c'est bon. C'est comme tu veux. Okay. We're going to stand up, even if you're at home, we're going to stand up to make this confession together. Confession together. Tu peux recommencer. Hallelujah. En accord de Timothée 1:7, je déclare que je n'ai pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et de conseil. Repeat after me. In agreement with 2 Timothy 1:7, I declare that I have not received a spirit of fear, but of power, love and a sound mind. Je refuse de tolérer la peur dans mon cœur. I refuse to tolerate fear in my heart. Peu importe ce qui se passe autour de moi en ce moment, je refuse de donner accès à la peur dans ma vie. No matter what happens around me right now, I refuse access to the spirit of fear in my life. Je déclare sur le psaume 91, tout comme le psalmiste, je demeure sous l'abri du Très-Haut et je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je déclare que l'Éternel est mon refuge et ma forteresse. I declare, according to Psalm 91, like the psalmist, I dwell in the shelter of the Most High, and I am at rest in the shadow of the Almighty. I declare that the Lord is my refuge oh, yes, and Lord. My strength, my fortress. Je me confie en lui, et il me délivre du filet du COVID-19 et de ses ravages. I trust in the Lord. He delivers me from the net of COVID-19 and all of its harmful ravages. Il me couvre de ses plumes et je me réfugie en lui. He covers me with his feathers. I take my refuge under his wings. Je ne crains pas la terreur de ce virus et ni son impact dans ma vie. I am not afraid of the terror of this virus and its impact in the world. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Quand Jésus est mon refuge, je fais le Très-Haut ma retraite. Even though 1,000 may fall at my side and 10,000 at my right hand, I shall not be touched. For Jesus is my refuge, and I make the Most High God my high retreat. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ma maison. No evil shall come upon me, no plague of this world shall come into my house.
Le Très-Haut ordonne à ses anges de me protéger. Ils marchent au-devant de moi et ils m'arrachent du danger. The Most High commands his angels to protect me. They walk before me and they rescue me from danger. Parce que j'aime Jésus, il me délivrera. Because I love Jesus, he will deliver me. Jésus me protège parce que je connais son nom. Jesus protects me because I know his name. Je l'invoque, il me répond. I call upon his name and he answers me. Il sera avec moi dans la détresse. He will be with me in distress. Il me délivre et je le glorifierai. He delivers me and I will glorify him. Je me rassasie de longs jours. And I will be satisfied with long days. Et il me fera voir son salut. Because the Lord my God will show me his salvation. Dieu est avec moi. God is with me. Dieu est pour moi. God is for me. Aucun diable. No devil in hell. Aucun démon. No demon. Aucun virus. Oh, no virus. Ne peut être contre moi. Can act against me. Plus grand celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. He that is in me is greater than he that is in the world. Alors je veux que là où tu es, bien-aimé, tu t'es mis debout, je veux que tu commences à prier. Laisse cet esprit de foi s'élever en toi. Now let commence the spirit à prier of faith arise. Start to pray in tongues where you are, in your home. Ne laisse lift pas your cette voice. Peur. Ne donne pas accès à cette Don't peur. Give any access to fear. Let faith arise. Commence à élever ta voix. Raise your voice. Laissez le Saint-Esprit t'inspirer à déclarer. Let the Holy Spirit give you other declarations to make. À déclarer des paroles de foi sur ta vie et ta maison. Declare the word of faith over your life and your home. Père, je vais étendre ma main de prier pour tous les membres de la famille du Bon Berger au nom de Jésus. Right now, Father, I extend my hands to pray for every member of this church family. Nous mettons une aide de protection autour d'eux. You create a protection around each and every one. Dans le nom puissant de Jésus. In the name of Jesus. Aucune arme forgée ne prospère. No weapon formed against them shall prosper. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Nous déclarons que notre famille est bénie et protégée. We declare that our church family is blessed. Dans le nom de Jésus. Protected. Particulièrement, nous prions pour tous nos membres qui sont impliqués dans le corps médical. We pray for those of our among our members who are in the medical profession. Nous prions pour la protection. We pray for supernatural protection. Et nous prions que tu les utilises, Père. And that you would use each one Père, mightily. Père, utilise notre famille dans ce temps de crise. Use our church family in this time of crisis. Que we pray. Que le peuple de Dieu, l'Église du corps de Christ, puisse se lever. And that the body of Christ rise up in our nation. Et être la lumière de ce monde. And be the light of the world. Être le sel de cette terre. Be the salt of the earth. Être l'espoir dans ce temps, and, Seigneur, de crise. And be the hope in this time of crisis. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Au Jesus. Au nom puissant in the mighty de Jésus. Name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Père, je prie qu'au nom de Jésus, que quiconque qui est en train de regarder ou écouter, s'ils sont malades, nous libérons la guérison dans le nom puissant de Jésus. Father, right now I release healing power over everyone watching or listening to this message. Que ce soit dans ce lieu ou même là où tu es, où tu regardes, où tu écoutes, dans le nom de Jésus, nous proclamons la guérison. Whether it be in this room or by internet, we declare healing over your body now. Dans le nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Fièvre, tu pars. Fever, leave him now. Virus, tu pars. Virus, leave. Maladie, tu pars. Sickness, leave. Dans le nom In the name of Jesus. Dans le nom puissant In de the Jésus. Name of Jesus. Et merci, Père, que l'heure arrive que ton peuple se lève. Father, thank you that now is the time your people will rise up. Se lève en France. Will rise up in France. Se lève de la francophonie. Will rise up in se lève all dans le of monde the French-speaking entier. World. Au nom de Jésus. In the mighty name of Au Jesus. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah.